Eh bien salut à tous, c'est Spectral Energy et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Donc avant de commencer ce gameplay les amis, je voulais vous parler de plusieurs choses et vous préciser pas mal de choses également. Donc j'ai deux informations importantes les amis, je compte vraiment sur vous à vous faire transmettre. Donc la première que j'avais à vous dire, elle n'était pas très importante, mais je tenais à m'excuser de ne pas avoir pu de sortir de vidéo la semaine dernière. J'avais eu pas mal d'occupations par rapport aux vidéos et je n'avais pas eu vraiment le temps de pouvoir terminer de monter la vidéo et ensuite de pouvoir l'uploader ma vidéo en fait. Le problème c'est que je prends peu de temps on va dire à faire mes montages vidéo, mais je prends énormément de temps les amis. Je sais pas si c'est pareil pour vous, si vous possédez également une chaîne YouTube comme moi, mais je peux prendre jusqu'à 2 voire 3 heures à upload une vidéo de 10 minutes. Donc c'est assez dérangeant pour moi. Donc j'essaie de trouver un moyen le plus vite possible pour pouvoir vous faire sortir des vidéos voilà plus souvent. Bah, j'aimerais bien parce que bon je suis restreint on va dire à une vidéo par semaine en moyenne, voilà, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Mais franchement, si je pourrais vous faire deux vidéos la semaine, je le ferais, ça je vous le promets. Donc, ensuite, je veux parler aussi d'une deuxième chose, et là, justement, je compte sur vous, les amis. Donc, je vais faire une pub pour la chaîne de Exolorite, donc il vient de créer sa chaîne YouTube il y a très peu longtemps, voilà. Il y a à peu près, je dirais, deux voire trois semaines. Donc il propose sur sa chaîne un let's play Minecraft aussi, un let's play Minecraft. Donc si je me trompe pas, il a attaqué son deuxième épisode. Il a également lancé une série consacrée au 1v1 sniper sur Black Ops 3. Donc là il en est à son troisième épisode. Donc je vous conseille d'aller vous abonner à sa chaîne, voilà. Il fait du très bon travail. Je compte vraiment sur vous les amis, sachant que c'est un pote que je connais depuis longtemps. C'est même, pour tout vous dire, c'est le premier pote que j'ai rencontré en jouant au live, voilà, quand vous jouez en live sur la console. Quand vous venez d'avoir votre premier micro, voilà, c'était le premier pote que j'avais rencontré. C'est vraiment un super gars. Je vous conseille vraiment d'aller vous abonner à sa chaîne. Donc, ça me fera énormément plaisir. Je mettrai bien sûr le lien de sa chaîne en description. Donc, sur ce, les amis, aujourd'hui, je suis vraiment super content de vous retrouver pour le retour d'une série. Voilà, la toute première série que j'avais créée. Enfin, voire la deuxième. Voilà, la deuxième série que j'avais créée sur Call of au lancement de ma chaîne. Donc, la première, ça avait été les 1v1 Sniper. J'ai un énorme projet qui va arriver justement consacré à cette série-là. Vous allez voir ça, je vous en dis pas plus. Mais concernant voilà la série des gros gameplays, vous l'aurez deviné. Donc les gros gameplays, qu'est-ce que c'est pour vous? Voilà, si vous venez de me suivre, voilà, vous êtes depuis un petit bout de temps sur ma chaîne. Je pense que vous vous en doutez. Donc cette série de gros gameplay va être consacrée à des gameplays, mais vraiment des gros gameplays à une arme, voilà, une arme franchement qui est efficace. Donc là vous allez pouvoir voir avec ce gameplay qui va être un 65 kills les gars. Pour l'instant, pour tout vous dire, c'est mon premier record de kill actuel. J'ai pas réussi à faire les 100 kills pour l'instant. Mon record sur BO3 c'était 65 et encore je l'ai fait sur Nocturne, sachant que vous savez sur Nocturne il y a énormément de possibilités de faire des plus de 100 kills. Sachant que là j'ai joué pas mal les spawns, le gameplay est très nerveux, vous allez voir. Justement, une troisième chose que j'avais à vous dire, j'avais oublié, je tenais à remercier voilà Sparta du 29, Scratcho qui avait été présent également lors de ce gameplay. Vous allez voir que, regardez la mini-carte, on est tout le temps avec un hater débloqué. C'était vraiment un putain de gameplay les amis, c'est vraiment un truc de fou. On avait tout le temps un hater, on débloquait, regardez là je vais débloquer mes raps. Ensuite mon vautour, enfin mon rapace plutôt, Scratcho va lui débloquer son fantôme, Sparta va envoyer des haters, ça va être vraiment un gameplay de fou furieux. Donc c'est pour ça que j'étais vraiment content de vous retrouver pour ce gameplay. Regardez la barre des feeds, elle est tout le temps complète. Donc ça va être vraiment un gameplay de fou. Sachant que Nocturne je l'avais énormément apprécié sur BO2. C'était une des maps voilà, où j'avais réussi à rentrer un peu plus de 100 kills. Facilement parce que vous savez que sur Nocturne on peut spawn kill facilement, c'est assez facile. Donc voilà le meilleur gameplay que j'ai fait à ce jour. Je vais tenter le plus de 100 kills, j'aimerais bien vous présenter le plus de 100 kills et également vous présenter une nucléaire. Comme je vous ai dit qu'il y aurait une série consacrée au nucléaire ainsi que des tutos comment créer sa classe, avoir les bons déplacements. J'ai pas mal de petites astuces à vous dire concernant BO3. Donc voilà, j'espère en tout cas pouvoir. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à rentrer de nucléaire. Je vais pas vous le cacher, les amis. Le meilleur gameplay en série que j'avais fait, ça avait été pendant la bêta. J'avais fait un 26-0. Bah, c'était le meilleur gameplay à ce jour-là. Je vous l'avais présenté. C'était un gameplay sur Hunted. Également la Vesper. La Vesper, une arme que je kiffe. Franchement, c'est la meilleure mitraillette que je kiffe. C'est vraiment une très bonne arme. Une arme, voilà, une arme sur BO2 qui me fait penser un peu à la Scorpio. Ceux qui avaient joué un peu à BO2 avec ce type d'arme.
Bien sûr, senti rapide, mais en tout cas, je peux vous dire que je vous la conseille de jouer avec. Testez au moins le test, jouer un peu avec. Je peux vous dire, elle fait très très mal. Donc, consacré à cette. Je vais revenir avec justement à ça. Donc, consacré à cette série de gros gameplay. J'avais pu sortir des gameplays sur Ghost. Le premier que j'avais fait, ça avait été sur Ghost. Sachant que sur Ghost, je sais pas si vous vous rappelez, je jouais avec mon ancienne qualité. Donc voilà la méthode un peu, l'ancienne méthode que je faisais avant sans avoir ce game capture. Parce que vous savez, ce game capture, c'est grâce à Spartok que je peux rec tous mes gameplays. En fait, c'est grâce à lui voilà, que ma chaîne a pu continuer. Voilà, que vous pouvez voir ses gameplays qui sont en énorme qualité. Je tenais vraiment à lui faire une énorme dédicace, voilà, parce que lui, c'est vraiment grâce à lui que j'ai pu rec tous les gameplays, les openings de largage. Mais bientôt, j'aurai mon propre, voilà, game capture, on va dire, pour pouvoir rec. Et sachant qu'Avermedia, moi, j'ai vraiment été satisfait de Avermedia. Je vous conseille cette marque-là, sachant qu'ils ont sorti un nouveau modèle, le LGPX, voilà, si je me trompe pas, qui était vraiment un super modèle. J'ai vraiment, moi, je pense que je vais prendre le même que Sparta. Oh, justement, c'est le Live Gamer Portable. Il est vraiment vraiment super. La carte SD, en plus, si vous prenez une bonne carte SD, vous pouvez rec énormément. Donc, justement, une fois que j'aurai mon propre Avermedia, je ferai voilà énormément de vidéos également. Donc, je tenais vraiment à lui faire une grosse dédicace. Non, au passage, les gars, petit clip. Je sais pas si vous avez vu la barre des feats, comment elle est complète. Je débloque à nouveau mes raps. Il me semble, voilà, j'ai fait une médaille puissance 4. Tueur fou, là, je crois que j'ai fait deux tueurs fous, si je me trompe pas. Donc c'était sans pitié, voilà. Vous avez compté en même pas, allez, en même pas 30 secondes, j'ai fait la médaille sans pitié. Donc ce passage-là, j'avais été vraiment surpris. Donc maintenant, je vais revenir à la vidéo. Justement, je vous disais que sur Call of Duty Ghost, j'avais commencé cette série-là, les gros gameplay, et je filmais avec l'ancienne qualité. Du coup, je pouvais pas me permettre de vous rec des gameplays. En gros, je devais poser la caméra et attendre que je sorte un gros gameplay. Mais là, voilà, tout a changé. Maintenant, je peux vous rec des très très gros gameplay. J'avais également fait sur Advanced Warfare des gameplays. Il me semble que sur Advanced Warfare, j'avais fait un gameplay plutôt pas mal en liaison satellite. C'était quoi l'arme déjà? Je sais plus c'était quoi le nom, mais en gros, c'était la MP5. Voilà, la MP5 qu'on a. C'était la MP5 qui ressemblait. Donc, j'avais fait un énorme gameplay avec. Là, sur BO3, voilà, j'ai commencé tranquillement à vous faire un petit 65 kills qui est plutôt sympa. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Donc voilà, j'étais content de vous retrouver aujourd'hui pour vous dire que cette série-là sera de retour. Donc là, ça sera le premier épisode. En fait, lors de ces épisodes de gros gameplay, je vous décrirai le gameplay. Ainsi que peut-être que j'hésite à vous conseiller avec quel key streak jouer, quel score streak jouer. Bah là, vous avez pu voir que je joue avec les Raps qui sont vraiment un très très bon key streak. Je trouve qu'ils font très très mal. C'est un peu l'équivalent des chiens qu'on avait sur BO2, sauf que je les trouve un peu plus puissants ceux-là, parce qu'en fait ils explosent. Vous avez beau être en hauteur, sauter, ils vous tueront quand même. Alors que sur BO2, quand les chiens venaient, ils vous fonçaient dessus. Vous avez aucun moyen d'y échapper, à moins de leur tirer dessus. Sachant que les raps, je sais pas si vous avez déjà essayé de tirer dessus, mais c'est vraiment vraiment long à tuer. Ça se tue pas en deux balles, quoi. Moi, ça m'arrive quelquefois de vider peut-être pas un chargeur entier, mais pas loin. Et je peux vous conseiller en tout cas de jouer avec ces sortes de killstreaks là. Quand vous êtes sur des petites maps comme Nocturne, ça fait vraiment vraiment super mal. Après, le fantôme aussi, que j'avais eu l'occasion de tester un tout petit peu. Je sais pas à quel killstreak le comparer. Moi, sur Ghost, je le comparais un peu à Line d'attaque qu'on avait. Par contre, sur BO2, je ne saurais pas à quoi vraiment le comparer, parce qu'en fait, le fantôme, ça va être un hélicoptère que vous allez déployer sur un coin de la map. Donc, c'est préférable de le mettre soit sur le point C, soit sur le point A ou soit sur le point B. Ça sera un peu bête de le mettre sur son spawn, à moins que les spawns tournent. Mais franchement, quand vous avez votre fantôme, je peux vous conseiller de le mettre au milieu du point. Franchement, de le mettre sur B, sur Nocturne, je peux vous dire, ça fait un ravage. Donc là, j'avais pris les raps aussi. Et le vautour, je sais pas si vous avez déjà essayé de jouer avec, mais le vautour, enfin, c'est le rapace, voilà. C'était le vautour qu'on avait sur Ghost, c'est un peu le même truc. Mais là, c'est le rapace. Et je peux vous dire que franchement, ça vous cover de ouf. J'avais présenté un gameplay, à la KN44 avec les armes là. Le rapace, vous l'envoyez, ça peut vous cover votre back et tout. C'est vraiment, vraiment un truc de fou. Après, il y a la hater aussi. J'avais pas encore débloqué le hater. Donc voilà, les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce gameplay, enfin ce gros gameplay, vous aura plu. La prochaine fois, j'essaierai de faire un plus de 100 kills, pourquoi pas. N'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spectral, prenez soin de vous. Allez, ciao tout le monde.